On la met où, la TS? Il y a une TS? Quand? Ils m'ont forcé à avaler l'entièreté de l'épée liquide, noire, versée en moi comme une oie gavée. Non pas pour m'éventrer ni consommer mon foie, mais pour me sauver. Cette glaise antidote, goudron grisâtre disparaissant, gommant ma faute, colmatant ma perte, et ma gorge n'en pouvant plus de déglutir, de ravaler mon ratage en public sous une lueur cyalétique. Quand, devant la porte à double battant à petit hublot, quelqu'un dit à celui qui m'aime « Non, vous ne pouvez pas venir, je ne peux pas entrer avec elle, non, monsieur, c'est interdit. » Un lavage gastrique repose sur le principe des vases communicants entre contenu de l'estomac et apport de liquides extérieurs. Quand celui que j'aime est contraint à m'abandonner, quand je crois qu'il pleure et qu'en entrevoyant ses larmes, je prends la mesure des dégâts que je cause. La sonde est introduite dans la bouche, puis dans l'œsophage, jusqu'à atteindre l'estomac. Fixation avec du ruban adhésif. Une tulipe lui est reliée, eau tiède, salée, versée par petites quantités. Liquide de lavage récupéré par siphonnage, accompagné d'un massage épigastrique. Opération renouvelée jusqu'à obtention d'un liquide clair. Gros volume d'eau nécessaire. Quand je pénètre la lumière du service des urgences sans personne, encore debout, quoique titubante, me frayant un passage dans ma terreur et les vertiges. Quand j'ai 20 ans. Suicide, mort volontaire, tentative de suicide, TS, conduite ayant pour but de se donner la mort sans y aboutir, menace de suicide, conduite faisant craindre la réalisation à court terme d'une TS, suicidant, individu qui a réalisé une TS, suicidaire, individu ayant des idées ou exprimant des menaces de suicide, suicidé, individu qui s'est donné la mort volontairement. Il faut travailler à sortir de là un jour, l'espace d'un regard. Arrêtez de me laisser tomber. Mais les regards, je me les remets vite dans la bouche. J'ai perdu ce qui m'appartient. En personne, je l'ai perdu sur le terrain de fouille qui est le support de ma substance. Le dommage n'a pas eu le temps de s'inscrire en moi, rendant l'archéologie impraticable. Quand je dois m'allonger sur un lit trop étroit dans des draps jaunes poussins. Quand je pense aux poussins mâles broyés à la naissance parce qu'ils ne pondront rien, je glisse le long des parois, un puits sans fin. Je me demande si ce n'est le trou qui remonte le long de moi. Je ne cherche pas à m'accrocher d'où je viens, les mains en l'air. Quand les blouses reparlent entre elles et font comme si je n'étais pas là en disant la TS et que je sens se profiler à travers leur ton et sans doute aussi mon degré d'angoisse, la possibilité d'une sanction. État de crise suicidaire, sujet totalement démuni face au mur, le suicide devenu seule solution. Comme dans la dépression, le cerveau baigne dans le cortisol, note de la rédaction hormone du stress. Impossible de gérer les problèmes quotidiens, ni même de simples actions comme remplir des papiers, assurer l'hygiène, aller au lycée ou s'occuper des enfants. On la transfère, la TS ? Non, la tension est basse. Quand les faits s'impriment, mais que je ne sais pas encore lesquels seront définitivement tatoués, je reste immobile. Mon corps a des branches qui lui poussent, mais pas de racines. Une voix traverse la pièce et s'abat en rafale sur mon visage qui, lui, est dans mon dos, regardant par la fenêtre. Et ma pensée blanche, de face, et ce truc coincé entre mes lèvres. Quand je revois ton impuissance plus grande que tes grands yeux, pleins de tristesse, de désarroi, ton abattement, ton affolement, tes mains qui tremblent, tes cils qui s'arrêtent, ton souffle qui se noie dans l'air qui manque. Quand ton amour éclatant ne suffit plus, quand le mien reste en détention dans un lieu terrible, quand j'ai failli tout foutre en l'air, quand ça y est, je t'ai confondu avec mes démons, quand ils ont surgi de ton ombre et que j'ai déployé les armes. Quand j'en oublie même les autres, même toi, dans le dehors. Les mots sont clos et s'ouvrent quand je rentre et referme la porte. Les mots, certains croient qu'il n'y en a pas, mais il y en a trop. Dépression, grand A,
Au moins 5 des symptômes suivants sont présents sur une durée de 2 semaines avec changement par rapport au fonctionnement antérieur. Au moins un des symptômes est soit une humeur dépressive, soit une perte d'intérêt ou de plaisir. Nota bene, ne pas inclure les symptômes clairement imputables à une autre affection médicale quand un médecin qui ignore la psychanalyse me propose de commencer un traitement léger, histoire de minimiser l'aliénation chimique. Léger, oh, léger. Mais que je refuse car je ne peux pas envisager que quelque chose encore entre dans mon corps pour y prendre le contrôle. A1, humeur dépressive, tristesse, vide, désespoir, quasiment toute la journée, presque tous les jours, signalée par le patient ou observée par les autres. Nota bene, irritabilité chez l'enfant et l'adolescent. Quand le danger d'intrusion ne me lâche plus. A2, diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, quasiment toute la journée, presque tous les jours, signalées par le patient ou observées par les autres. A3, perte ou gain de poids significatif en l'absence de régime ou diminution ou augmentation de l'appétit, presque tous les jours. Nota bene, chez l'enfant, absence de la prise de poids attendue. A4, insomnie ou hypersomnie, presque tous les jours. Quand je parle à une blouse verte, qui ne semble pas connaître ma langue, comme si j'étais désaccordée, alors que dans ma bouche, ça ne sonne pas si faux. A5, agitation ou au contraire ralentissement psychomoteur, presque tous les jours, signalé par le patient ou observé par les autres. A6, fatigue ou perte d'énergie, presque tous les jours. A7, sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive et inappropriée, voire délirante, presque tous les jours. Quand la blouse fait demi-tour et que me répond, seule, au bout d'un fil scotché sous mon sein gauche, une alarme incompréhensible qui se prend pour un cri. A8, diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer, ou indécision, presque tous les jours, signalée par le patient ou blablabla. A9, pensée de mort récurrente, pas seulement peur de mourir, idée suicidaire sans plan précis, tentative de suicide ou plan précis pour se suicider. Quand je me rends compte, bien après mon arrivée, que personne ne m'a demandé comment je vais. Non, je ne m'en rends pas compte. C'est a posteriori et tiré d'affaire que je suis en mesure de le constater. Grand B, les symptômes induisent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Grand C, épisode non imputable aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. Nota bene, les critères A, B, C définissent un épisode dépressif caractérisé. Je suis peu lisible et encore moins ne l'est ce qui m'a effacée. Quand je me suis dit que mon visage avait fondu, ma langue est la seule chose en ma possession. Elle m'a poussée entre gorge et oreille juste par persécution. Parfois, je l'aperçois sur mes genoux. Elle ne se laisse pas faire. Je crie que je veux m'éteindre. J'en rêve parce que glisser aussi profond ne pourra pas recommencer. Ce serait bon de saigner pour sentir d'où ça vient. Je crois que la langue fait cicatriser, mais elle désinfecte à peine. Quand je dois me déshabiller et traverser nue une chambre de 8 malades alors que mon lit est près de la fenêtre, loin de l'entrée et que personne ne dort et que je pense à ma maigreur que je n'affiche pas ainsi face à des étrangers, quand je pense à Dacho, à la peau, les os de toutes les victimes tout en sachant que je ne peux pas comparer, quand je dois promener mes fesses, cette parade sur l'allée centrale, les patients disposés en haie d'honneur avec la misère du monde sans grandiloquence dans ma sente. Quand ma cousine me fait la leçon au bout du fil parce que j'aurais pu gâcher son mariage en mourant 3 jours avant. Quand elle pointe mon égoïsme cherchant à éveiller chez moi une culpabilité qui l'apaiserait alors que c'est elle qui ne pense qu'à elle avec ses rêves de paillettes et son incapacité à se rapprocher de la souffrance, y compris la sienne. Quand je n'arrive pas à regretter. Juste une révolte muette. Jamais eu la force de l'exprimer, c'est bien le problème. Pour le psychologue clinicien, première action à mener, s'informer. Parfois, l'entourage réagit violemment via la colère ou la tristesse, ce qui n'aide pas le patient en souffrance, le but étant de comprendre ce que ce dernier traverse. Quand ma mère me demande si j'ai des problèmes sexuels, si je suis lesbienne, par exemple. Quand je me sens heureuse d'avoir interrompu l'impossible, quand cette limite de mon corps sans limite est atteinte, quand il a fallu que je le maltraite pour qu'il me laisse tranquille, quand je sais que le travail ne fait que commencer pour me refaire une peau.
Quand mon frère me dit, en voyant mes poignets bandés, t'as du cran. Quand mon autre frère ne dit rien parce qu'il est trop jeune. Quand il deviendra un médecin. Quand ma tante ne voit pas, mais alors vraiment pas, pourquoi j'ai envie de mourir avec l'appartement que j'ai. Quand je suis allongée après une nuit infernale et qu'une infirmière me demande si j'ai uriné, à laquelle je réponds que non, et qu'elle me tend le haricot, mais je trouve difficile de faire pipi couché les cuisses serrées avec l'assemblée de mes compagnons de chambre et leurs yeux hagards qui me voient même quand ils regardent ailleurs. Quand elle revient et m'entendant lui exposer le problème, me dit sans attendre, faut sonder. Quand je dois la supplier de me laisser tenter d'aller aux toilettes, car je sais que là j'y arriverai, quand elle me dit « Oui, mais il n'y a personne dans les couloirs, vous allez tomber, il ne faut pas y aller non accompagnée », quand elle a l'air de sous-entendre qu'il lui est impossible de m'accompagner, quand elle me dit « Oui, mais non, mais oui, mais non », avant de se concentrer sur ma perfusion, quand une blouse bleue, qui nous écoute en douce, ose m'aider, se proposer et que je vais aux toilettes avec elle, la fée, la vraie, l'humaine, quand je n'ai plus besoin d'être sondée, quand je respire d'avoir échappé à toute cette inutilité, quand je n'ai finalement pas été humiliée ni retriturée et que je rêve d'absolution, de fuite loin de ce monde qui semble vouloir punir un autre monde. Quand je sonne et qu'une blouse blanche réplique en disant « c'est encore l'ATS » et que je préférerais ne m'être pas ratée plutôt que d'à ce point dérangée. Quand un autre ange en blouse verte arrive et me dit les mots que je n'oublierai jamais. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous vivez, mais je veux juste vous dire qu'il y a d'autres solutions. Et il a l'air d'y croire, et son regard est bon. Il est très jeune, il a presque l'air d'avoir peur, quand j'espère qu'il se verra décerner une médaille, quand il ne revient jamais. Quand ils m'ont tellement enfoncé, ouvertement détesté, que s'ils me relâchent, ils auront gain de cause. Une fois dehors, je déserte définitivement, me jette sous les premiers rails. Quand l'on me convainc, grande blouse blanche dégrafée sur torse, allez, stéthoscope en cravate entourée de petites blouses blanches, qu'il faut me transférer, au moins quelques temps, en psychiatrie. Quand j'accepte, je vais pouvoir me reposer, me recadrer. Trouble mental, syndrome caractérisé par une perturbation cliniquement significative de la cognition d'un individu, de sa régulation émotionnelle ou de son comportement, et qui reflète l'existence d'un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux, sous-tendant le fonctionnement mental, quand les ambulanciers m'escortent, me livrent à l'entrée avant de repartir, que j'arrive donc et que la première chose que je vois, c'est une grille, qu'une blouse boutonnée vient ouvrir pour me laisser entrer. Quand la porte est illico refermée, à clé. Les réponses attendues ou culturellement approuvées à un facteur de stress commun ou à une perte, comme la mort d'un proche, ne constituent pas des troubles mentaux. Les comportements déviants sur le plan social, par exemple le plan politique, religieux ou sexuel, ainsi que les conflits qui concernent avant tout le rapport entre individus et société, ne constituent pas des troubles mentaux, à moins que les déviances ou conflits résultent d'un dysfonctionnement individuel tel que décrit plus haut. Y a-t-il quelque chose que je sais et que les autres ne savent pas? Que je sens et que les autres ne sentent pas. Y a-t-il quelque chose que je veux dire? La science de mon corps, le corps de mon ombre. Quand la porte passée, j'avance dans cet ailleurs, quand la consolation fait faux bond et qu'un gouffre à nouveau s'annonce, quand la horde des internés, les déjà là, les pas encore partis, les revenus, me jettent au visage leur quotidien de revenant, quand je me dépêtre de ce qu'il me reste, que j'arrive à peine à ne pas crever d'angoisse sur le coup. Et là, écrire arrive. Écrire sauve. Je peux m'y réfugier et y désigner le froid, le temps perdu, le futur antérieur. Quand je découvre les prisonniers psychiatriques, quand ils sont tous en excès, mais c'est eux qui ont raison, ils ont raison de leurs existences. Je me passerai bien de tracer des lettres une à une et des mots, mais alors il faudrait faire d'autres liaisons entre ce qu'il se passe et le reste. Et la poésie se passerait bien du texte, mais alors de quoi serait-elle faite? Qu'y a-t-il dans mon angoisse? Une permanence. Et dans la violence, un passage. Et quand je pisse dans les violons, une façon de me faire entendre, de
quand il n'y a pas de réponse perceptible, sauf un peut-être sans trait d'union. Leur dedans n'est fabriqué d'aucune histoire. L'histoire leur a passé dessus. Leur dedans s'est retourné comme un gant. Quand je me sens au rang d'une novice, à l'aune d'un bizutage immonde, quand je n'ai pas la notice et encore moins le courage, quand j'ai peur parce que personne ne comprend que ma présence est une horreur. Une erreur. Un diagnostic de trouble mental doit représenter une utilité clinique. Il doit permettre aux cliniciens de déterminer un pronostic, des stratégies de traitement, ainsi que les résultats attendus du traitement pour les patients. Je ne peux pas me présenter correctement, je ne me représente pas. Je ne sais pas qui je suis ce que je tais. Je ne reconnais pas mes semblables, je m'y perds comme si je n'étais pas unique. Je fais des efforts pour entrer dans la vie, je la cherche, la creuse, la modèle, mais elle m'échappe, je fais des efforts surhumains avec les autres, mais toujours je renonce, ça ne vaut pas la peine. Je les approche de très près parfois, presque au point d'apparaître, mais je m'arrête là où disparaît mon périmètre, là où je constate qu'ils sont arrivés trop en avance et qu'ils ont l'air de ne manquer de rien. Quand je sors du bureau où j'ai instamment prié la blouse blanche avec la barbe au-dessus de prévenir ma famille pour que quelqu'un vienne me chercher, et que son expression impassible me rappelle l'indifférence des visages mouvants d'une soirée sous psilocybine. Quand j'ai mal, j'ai sommeil, j'ai encore pipi, que je repars dans les parties communes, ce salon télé de malheur que je parcours en regardant le sol pour ne pas croiser des yeux dans lesquels je pourrais avoir une fois de plus changé de figure. Quand je retrouve ma cellule et ma co-détenue, sa savonnette dans mon lavabo, ce dépouillement qui renvoie au dénuement des barreaux et de tous les fous et les folles d'à côté. Comme il était passer dans l'autre monde, de quitter le terreau stable. Quand je veux redevenir une molécule dans l'univers, je me sens vendangée par des sauvages. Quand je ne sais pas comment j'ai fait pour me dérouler jusque-là et que je regarde autour en me demandant l'origine du bug et surtout comment ils ont fait, eux, elles, pour s'habituer à être là, quand je veux sortir. La plupart des services sont des structures closes, limitant les allées et venues des patients. Le nombre des hospitalisations sans consentement connaît une croissance sans précédent, facilitée par la procédure allégée dite de péril imminent. Quand je voulais qu'on m'aide, oui, mais pas comme ça. Quand j'entends dire par mon oncle qu'il s'agit là d'un établissement ancienne méthode, quand je me dis qu'avant de se suicider n'importe où, mieux vaut se renseigner sur le secteur. La France est progressivement devenue l'un des pays européens qui enferme le plus les personnes atteintes de troubles mentaux. Je cours après mes images intérieures, demandant à l'une si elle connaît l'autre, mais elle reste réciproquement distante. Je suis souvent trop fatiguée pour les lorgner, les longer, les aligner, les élire, les lier, les obliger, les élaguer, les ligoter, les délivrer, les alléger, les embellir. Je suis fatiguée. Quand on se tient à carreaux, quand les blouses bleues à rayures rangent nos chambres à barreaux et que l'homme qui ne parle pas français s'est acharné à faire de la sienne un taudis, son atroce incurie, quand les blouses rayées triment et que c'est lui qui transpire le plus. C'est ça aussi l'institution, les râleurs atrabilaires, les fluctués et autres exaltés versus de savoureux magic mushrooms en blouses à imprimés variés. Quand je suis face à la violence d'un délire qui, sous les airs calmes et doctes de celle qui le produit, m'exclut radicalement tout en me faisant croire durant une minute que j'existe. Et le monde sous haute tension passe à la trappe soudain privé du réel du reste et d'attention. Non, elles ne savent pas ce qu'il se passe ni ce qu'il va se passer de plus intensément sec. Mais ils s'efforcent de résister contre l'insensé et tout les pousse à s'appartenir encore, à faire éclore un surgissement partout, une cessation du gésir, un début de refus, dire non à leur façon, avec la bonne forme bien en chair, loin du papier, des pages pas tournées, la forme, debout, loin de retourner se coucher, la forme qui s'adresse avec leur langue bien mal dressée. Quand les blouses cherchent à poser un diagnostic sur mon mode de vie. Autiste. Dépressif. Bipolaire. Malade du narré. Petite pute. Post-traumatisée. Hystérique. Sanguinaire. Poète. L'admission en soins sans consentement repose sur le constat que le patient ne dispose pas des facultés nécessaires pour consentir librement à sa prise en charge, quand j'entends partout l'écho de mon anonymat. Différentes procédures coexistent,
quand mon père, au téléphone, me dit avoir contacté son confrère et que son confrère va contacter le chef de mon service fermé d'internement sans issue pour lui demander de lever les barricades. À la demande d'un tiers, la décision du directeur d'établissement repose sur la demande d'un tiers plus deux certificats médicaux remis par deux médecins distincts, petit 1 du grand 2 de l'article L3212-1 du Code de la santé publique, quand je me dis que, ouf, bien pistonné, on peut en réchapper. Quand je sens que si je ne sors pas, alors oui, je vais vraiment devenir folle. De devenir psychologue, histoire d'apprendre comment tout ça fonctionne. Psychologue par nécessité, pour gagner ma vie et m'apprivoiser. Quand je comprends que les psychologues ne sont pas que des gens qui vont bien et que c'est même plutôt l'inverse, donc je devrais faire l'affaire. Quand j'aurais pu aussi bien être une mauvaise architecte ou une journaliste idéaliste. Quand la thérapeute qui me tire vers le haut et ne manque évidemment pas de m'attirer s'autorise aussi à m'orienter. Quand je la trouve géniale. Quand je décide de revenir de loin, quand je peux l'affirmer, mes faiblesses sont ma force, après avoir fait, défait et refait l'expérience de leur permanence. Quand je passe une partie de mes études sur un divan, dans un bureau avec vue sur les quais et que je reste des mois allongée dans mon mutisme et que l'autre ne fait rien hormis encaisser son chèque, quand ça me pose question. La langue, nom féminin, psychanalyse, CF Lacan, ensemble des spécificités du langage utilisé par quelqu'un pour communiquer avec autrui et lui-même. Quand je déménage et que je trouve un autre, face auquel je reste assise des années en parlant 25 minutes deux fois par semaine, expérience créative, aventure poétique. Quand je le trouve génial. Le concept de la langue désigne la matière dont est formé l'inconscient, non pas le langage en ce qu'il y a de commun chez une personne avec le reste de la population, mais ce même langage augmenté de toutes les spécificités propres à un individu, sens que cette personne donne à tel ou tel mot, intonation, connotation, etc. En quelque sorte, langue maternelle, déformée par les particularités de celui ou celle qui l'utilise. Quand je me rapproche de ma langue, que je me l'approprie, me l'invente pour traduire mon silence. Quand j'ai 30 ans. Paradoxe, considérer le langage comme étant relativement invariant,
tout en sachant qu'il existe en fait autant de langages, de langues, que d'humains, chacun ayant sa propre la langue. Quand la vie me traverse et que je m'arrête parfois d'y évoluer pour l'écrire, ou quand l'écriture lui donne forme, l'empêche de s'enfuir, ou quand l'écriture joue les diseuses de bonne aventure. Quand je suis bien formée, diplômée, accouchée, publiée, pas encore divorcée, quand je n'ai pas grand-chose à ajouter. Psychologue clinicien, code ROM K1104, profession multiforme, le praticien peut travailler dans la fonction publique, intervenir auprès d'associations, être salarié d'entreprise ou psychologue à titre libéral. Son rôle, accompagner des patients qui peuvent être enfants, adolescents, adultes, personnes âgées ou handicapées, malades, prisonniers ou autres individus en souffrance psychique. C'est bien. Tu as réussi à écrire, tracer des lettres, vendu le blanc de la page. Tu as pris forme autour de l'incise. Quand je comprends la posture et que me lâche mon sentiment d'imposture. Quand je mélange ma vie de folle, ma vie de poète et ma vie de psy, quand je trouve qu'elles vont bien ensemble. Poète, pas de code métier, profession multiforme, absence de définition. Quand je me donne des missions littéraires, sanitaires et sociales, quand je cache à merveille l'ampleur des défis, quand je prends des airs naturels au sein d'institutions plus ou moins culturelles. Quand un magnétisme imprévu me renvoie aux adolescents et à l'exclusion. Quand un établissement qui accueille des jeunes gens présentant des troubles graves de la personnalité cherche un ou une poète. Quand on me cherche, on me trouve. Quand je viens pour les rencontrer, que j'arrive avec le sourire d'un pas léger, quand j'aperçois leurs tronches, leurs corps jonchant le sol, colossaux cannelloni que je n'arrive pas à honnir, ils décochent leur regard cercueil en guise d'accueil, pas lourd de se refermant à ma vue. Quand, là où elles emmerdent tout le monde, elles m'attendrissent. Quand j'active le mode quête, tente de saisir quelque chose d'eux, d'elles, qu'ils ne se laissent pas attraper, quand elles se contentent de miauler sans s'affoler, quand rien n'est fardé, pas même le fardeau vide de ce sourire en moi, pas en reste, qui se heurte à leur comportement troublé, à leurs paroles manquées, au clapoutis de leur désir de faire capoter. Quand mon passé les comprend, mais que mon présent est impuissant. Quand pourquoi vous venez ici? Quand? Parce que je me sens chez moi. Il y a beaucoup de poètes derrière les barreaux. Ils ont trop voulu correspondre à leur réalité. Quand il est surpris, vous écrivez un livre? Car il n'a rien à faire réchapper de l'oubli. Pourtant, quelque chose de massif et latent en lui. Peut-être l'inoubliable? Quoi, sinon? Il ne répond pas. Il doute que tout a un nom. Quand j'arrête de lui poser des questions, ça suffit, il est une question. Quand il touche les boutons de mon gilet, il cherche à décrypter les coutures, à traduire ce qui assemble, contient, referme. Quand elle sort si profonde de la grotte pour regagner la planète des terriens, quand elle bave un peu, lèche son doigt, il sent bon le corps de l'enfance. Quand elle lève les yeux au ciel vers l'astre perdu où elle se retrouve, quand elle est belle de sa bizarrerie, quand elle débute des phrases sans fin parce qu'à peine dans leur commencement éteinte, quand toutes les deux on s'allonge, on compte les nuages par le Vélux qui passe, leurs pages tournées bien perdues vers le nord, petit vélo dans nos deux têtes, moi couchée à ses côtés pour la rassurer. Quand elle associe de drôles d'expressions au défilé et que nous rions en quinconce dans notre cocon, laboratoire de syllabes, de mots co-composés. Je cherche ce que tu écris en moi, en deçà des mots, avec le plus signifiant des mots, pourtant le plus cinglant, le plus collé à ce qui se prononce sans qu'on sache décrypter ton dit handicap, nous l'est dit, capable de parler. Quand elle comprend tout en secret, quand elle lit même. Sévérité du trouble autistique niveau 3, nécessitant une aide très importante, déficit grave des compétences de communication verbale, non verbale, des retentissements sévères sur l'enlimitation très sévère de la relation et réponse minimale sociale émanant d'autres comportements flexibles, face au changement ou autres comportements répétitifs, interférant de façon fortement dans une détresse importante, l'appel de l'action. Quand il revient, après son hospitalisation en unité fermée, quand une partie de lui, le cœur, reste agrippé à ce qu'il y a laissé,
On n'y arrive pas avec celui-là. Il se tue tous les deux jours pour vérifier qu'il vit. S'il se connaissait, il serait plus gentil, y compris avec lui-même. Quand je me souviens, le trouble dépressif caractérisé peut débuter à tout âge, mais sa fréquence d'apparition augmente de manière marquée à la puberté. Quand, à cause de mon petit grain, j'ai peur de me gourer d'abstraction. Quand, un autre maugré, je ne veux pas venir aujourd'hui. Pourquoi ? Je suis fatiguée. Il aime trop dormir, comme si dormir n'était rien, comme si d'endormir rien ne se mirait, comme si dehors n'avait rien d'admirable, comme s'il n'y était pas admis. Quand je suggère qu'il vienne d'abord et qu'il réfléchisse après. Si un jour il était heureux, ce qui devrait être son but, il se dirait sans doute, comme tout le monde, et maintenant. Quand celle qui est la plus vieille et la plus grosse ne peut plus passer par la porte de sa chambre. Mens insana in corpore insano. Quand les pompiers portent à plusieurs sa chair qui coule à flot, ce corps gros sur le cœur, quand son absence d'humeur dégouline du sarcophage gonflable, quand on la laisse dans sa bouée, loin de la rive et sans liberté, qu'on la laisse barboter, rivée dans le canapé, sans bouger, sans rien braver, sans nulle part où retourner. Le cloisonnement entre disciplines, la complexité du parcours des patients atteints de troubles psychiques et leur stigmatisation ont pour conséquence dramatique la très mauvaise qualité des soins somatiques qui leur sont apportés. Quand elle s'en remet comme une bébé aux gestes barbares de la bariatrie, qu'elle laisse les bourreaux en blouse redresser la barre des bourrelets et qu'elle garde pour moi sa colère blette, quand son désir épuisé ronge son souffle et accélère dangereusement son pouls d'un épisode d'insuffisance cardiaque à l'autre. La réduction de l'espérance de vie des personnes suivies pour troubles psychiques atteint en moyenne 16 ans chez les hommes et 13 ans chez les femmes. Le taux de mortalité prématurée est 4 fois supérieur à la moyenne. Quand on se tasse à 8, tous en surpoids, sauf moi, parce que mes médicaments sont légers, oh, légers, autour de la table ronde dans la salle réservée de coutume à l'atelier bricolage. Quand les deux formidables enseignants qui m'accompagnent ont soigneusement rangé les marteaux et autres outils qui pourraient se mettre à donner des coups. Quand c'est calme, la pièce est encore remplie d'air. L'ensemble des enfants et adolescents en situation de handicap doit demeurer inscrit dans l'établissement scolaire ordinaire le plus proche du domicile dans lequel se déroulerait leur scolarité compte tenu de leur âge. Il s'agit de l'établissement scolaire de référence de l'enfant et il le demeure tout au long de sa scolarité quand elles veulent toutes être épargnées des autres. Alors on les a regroupées là, à l'hôpital de jour pour adolescentes. À l'hôpital de leur nuit. Si l'enfant effectue sa scolarité au sein d'un établissement différent, de type médico-social, il y est alors administrativement inscrit, mais il reste lié à l'établissement scolaire de référence, qu'il peut réintégrer de droit en cas d'évolution positive de la situation. Quand il revient du lycée situé dans le quartier, que ce fut difficile, qu'il s'est senti rejeté, qu'il quitte le milieu ordinaire. Quand il va falloir le restaurer avant qu'il ne meuble le bureau de sa mélancolie décapée à la soude, à l'acide, à l'acétate de tarte aux fruits déconfits, un vrai dessert pour ma fin d'assistance. Quand lui et elle, côte à côte mais de part et d'autre de la ligne de partage des mots, ne parviennent qu'à regarder leurs feuilles blanches, et même à regarder comme à travers le blanc, au-delà, jusqu'à avoir l'air d'être aussi immaculé qu'absent. Tu n'as qu'un Il se montre à toi à l'envers. Non, en fait, il est en toi, rétif, interminable, et des jours répète cette chose, ton milieu ordinaire. Quand elle ne veut rien faire, perdue dans son désert d'anédonie, perdue aussi quand elle n'est présente qu'à demi, quand elle préfère du coup se désister d'elle, se ruer sur l'ascenseur pour descendre plus vite à l'endroit de sa douleur. Tu fais froid. Quand personne ne peut plus l'approcher sans déclencher des hurlements, quand, exposée sans écran total, elle déchire son film protecteur, scénario terrifiant dans la nuit opaque où elle avance en douce vers un fauve ou un ours. Je devine ce que tu t'es. Reprendre tes mots les rendrait-il puissants jusqu'à nommer ton manque, repriser ta fêlure, retrouver enfin la dernière pièce. Quand rien ne s'intercale dans notre échange, que j'écale en vain le silence étalé, quand le bureau enclave son être rétréci, quand elle se ferme,
lèvres murées, et que la furie de sa fièvre dévale de plus belle sur nous, qu'elle fait valdinguer ses desseins, refuse de faire mumuse et tente par des mimiques immondes de dire qu'elle veut qu'on l'aime et non qu'on la tolère. Quand celle qui est sa camarade fredonne et que ses lèvres fermées laissent planer une plainte comme un chant. Quand sa voix bizarre s'échappe et navigue à tâtons, s'enfuit dérivée devant sa bouche close et ses yeux vastes. Quand on la rappelle à elle à intervalles réguliers, qu'on la reprend où elle en est, au point d'orgue. Quand celui qui est toujours calme vérifie d'un doigt pressé sur mon épaule mon existence et conçoit à haute voix de participer mais précise qu'il ne le veut pas. Car personne n'appartient à personne, pas plus que toi, tu ne te que nous ne nous appartenons. Quand il regarde, celui qui est son camarade, brandir un couteau de cuisine posé sur la crédence à la cantine. Si tu pouvais remonter aux sources de ta haine, aux jolies origines de ta faux folie. Quand ils ne peuvent retenir ni les mots, ni l'hémorragie de leur sens, que c'est le trop-plein de leur inflammable essence. Quand il coupe ma parole à la hache, quand elle veut hacker mon secret et non mâcher ses propos, quand il vacille alors que le sol pour moi est plat, quand elle voudrait pouvoir sentir vibrer ce sentiment, être vivante, défaire le nœud, s'échapper de son corps désarrimé qui ne fait ni le mur ni l'amour. Schizophrénie à début précoce se manifeste habituellement après une période de développement normal ou quasi normal, phase prodromique décrite, au cours de laquelle le retentissement social des troubles est patent, avec présence d'intérêts et croyances atypiques qui peuvent être confondues avec les déficits sociaux observés dans le trouble du spectre de l'autisme, quand elle a peur qu'écrire soit donné. Même sa peur, elle veut la garder. Il y en a qui feraient bien de s'oublier un peu. Toi, il te faudrait te rappeler à ton souvenir. L'angoisse te lèche de ces flammes de chienne, ourdie pour te coûter cher. Les cliniciens doivent tenir compte du fait que les sujets ayant un trouble du spectre de l'autisme peuvent interpréter au premier degré des questions relatives aux caractéristiques principales de la schizophrénie. Par exemple, entendez-vous des voix lorsqu'il n'y a personne ? Oui. À la radio. Quand je relis plusieurs fois pour être sûre de comprendre. Quand elle ne mange plus depuis des semaines. Quand elle pleure sans pouvoir utiliser ses larmes qui s'enlisent à contresens dans le fond de la gorge, coincée sans doute au passage par une grosse boule inavalable, même si toute raison valable de vomir a cessé de s'épanouir. Quand lui, à l'inverse, passe son temps à manger car on a anesthésié son centre de la satiété. Quand je les observe et quand je cherche à m'armer de sentiments pour encaisser la décharge de leurs besoins. Quand il affirme ne pas avoir de rêve, même pas un vieux qui traîne. Et qu'elle confirme, pareil pour elle. Des filles, des garçons, ex-impliqués, ex-regardés, ex-acceptés, désintégrés par l'exclusion, décimés par l'âge de pierre, feuille, ciseaux, passés, presque socialement trépassés, voire thanato anticipés, leur suspens, espace hors du temps, éternel aparté, leur prison à regarder, quelque chose s'élève d'eux, d'elle, la beauté d'un exil léger, les gestes chorégraphiés de pieds d'argile, les pas perdus de côté, hors du carcan, hors du champ de la cité, aux confins de la fumée. Quand je suis découragée, mais qu'heureusement, mes collègues le sont moins, jusqu'à la prochaine inversion des tendances. Ce qu'ils, elles, laissent dériver d'eux, d'elles, dans l'air, quand les ailes de leur vitalité déchiffrent et que rien et tout arrive, leur désir écrasé de liberté, bien dissimulé pour répondre au marché, simuler la bonne voie et s'en taper, enfin, de la loi du film dans son entier, fractionner son image dans la galactée, délirer encore et encore pour écoper le ravage, passer l'écluse, fronder la brume et jouir dans l'écume. Quand j'ai 50 ans, quand j'ai arrêté d'être impatiente et que je leur dirai volontiers merci à tous ces jeunes, très jeunes patients pour leurs insensés emportements, leurs absences d'appartement, leur essence sauvage qui me parvient et me civilise. Quand j'ai hâte pourtant que l'heure passe et que, sitôt dehors, je ne pense à rien, en réponse à leur manque interne de tout et d'intérêt. Quand, au dehors, je suis assaillie de questions. Tu veux les regrouper le temps d'une sortie ? Impossible. Tu veux les prendre en photo ? Impossible.
Les enregistrer ? Impossible. Ils ont trouvé des pseudos ? Non. Tu veux les faire parler ? Non. Les faire taire ? Impossible. Tu veux arrêter ? Impossible. Tu veux quoi juste ? Rien. Tu vas y arriver ? Possible. Tu vas continuer ? Oui. Tu te sens seule ? Un peu. Tu te sens nulle ? Possible. Est-ce qu'ils s'expriment ? Oui. En écrivant ? Oui. Ils se battent ? Parfois. Ils regrettent ? Possible. Ils t'attendent ? Oui. Ils t'espèrent ? Non. Ils t'aspirent ? Possible. Ils te demandent à quoi ça sert ? Souvent. Quel nom ils se donnent ? Les détraqués. Ils s'excluent ? Pas tous. Tu les as vus pleurer ? Parfois. Et sinon ? Je ne sais pas. Vous allez montrer votre travail ? Oui. Il y a quelque chose à montrer ? Oui. Ils ont peur ? Oui. Tu as peur ? Non. Tu vas leur lire tes textes ? Un peu. Ça parle d'eux ? Un peu. Ils vont le supporter ? Possible. Ben, vous allez sortir ? Oui. Quelle date ? 1er décembre. À quelle heure ? 21h. On peut venir ? Oui. Je n'écris pas comme les autres, que je ne danse pas comme tout le monde. Quand je préviens la régie que là je suis en train d'improviser, mais ça ne va pas durer. Quand je sens que ce livre est anormal, pathologique, car hors de la moyenne. Quand j'en arrive d'autant moins à le terminer, mais d'autant plus à faire dedans le rêve entrer. Comme des perles, les mots sans fin, sans fil, sans même qu'ils ne feignent me comprendre. Quand j'essaye de comprendre ce qui distingue une poète d'une folle, franchement à part, retranchée derrière son rempart. Quelle est la différence entre une personne atteinte de troubles mentaux et une poète ? Avec détresse anxieuse, avec caractéristiques mixtes, avec caractéristiques mélancoliques, avec caractéristiques atypiques, avec caractéristiques psychotiques congruentes à l'humeur, avec caractéristiques psychotiques non congruentes à l'humeur, avec catatonie, note de codage, utiliser le code additionnel 293.89 F06.1, avec début lors du péripartum, avec caractère saisonnier, épisode récurrent seulement, quand, lors d'un dîner, des convives trouvent formidable et original le fait d'être poète, bien que ne lisant jamais de poésie. Quand ils ne connaissent rien des troubles mentaux, mais que les troubles mentaux attisent leur curiosité, ne serait-ce que pour mieux comprendre leurs enfants et adolescents en chute libre, et ou pour supporter le déclin de leurs parents. Avec les progrès de la médecine dans le domaine de la connaissance et de l'analyse du cerveau, l'émergence de nouvelles psychothérapies et la prise de conscience de l'importance de l'interaction entre champ de la santé et champ du social, les points de vue se multiplient et s'entrechoquent quand tout se mélange.
Quand la TS va mieux, mais que sa mère, dans son vaisseau fauteuil, pilote à sa guise son manège, quand elle fait un petit tour de contrôle en ne tournant pas rond, qu'elle parcourt son circuit fermé, son rallye à elle, qu'elle y rallie ses silences et ses cris, quand elle roule à fond, évite les murs et les barres de seuil, gueule de loin comme un klaxon franchirait le murmure du son, quand elle passe en force, quand elle n'est pas sage et pose toujours, malgré son âge, la question du chemin à prendre. Aujourd'hui, le champ de la santé mentale recouvre une multitude d'approches qui, si elles ne permettent pas de définition claire, démontrent une conjugaison de recherches et de disciplines qui devraient tendre vers une conception bio-psycho-sociale de la santé mentale. Quand mamie roule à sa perte, à fond les manettes, quand la TS l'accompagne, pousse, pousse, hop, hop, à l'accostage, quand l'une ralentit et que l'autre dit « freine pas, je pousse » et qu'elles ont des doutes, quand l'une s'étonne de cette déroute et que l'autre la gare, la force à larguer les amarres près du réfectoire, quand elle se marre, quand je rirai aussi dans l'EHPAD où je suis remplaçante du remplaçant de la remplaçante de la psychologue, si sur l'écorce, les tiges de ses bras, la mère n'avait ses bleus bizarres et sa maigreur inimaginable. Malaise. Maladie qui s'allume sans alarme, désarme le soi sans en essuyer les larmes, défonce la foi en une fin possible et font moisir l'espace des familles dans les armoires. Quand la force d'anéantissement de la pensée œuvre seulement à détruire, quand le décalage, le décollage nécessaire à la création semble inatteignable, quand écrire un poème, c'est déchiffrer, charger de sens un ensemble de fragments qui en sont a priori dénués, les rassembler, les contenir, et une fois bien ficelés, lâcher le paquet. Quand même. Le faux, celui que la communauté veut faire taire, car il évoque, comme le poète, cette part inouïe en chacun et, comme le poète, ne saurait vivre dans la prison dorée de quelque lieu d'asile que ce soit. Il leur faut à tous deux le vent du monde, c'est-à-dire la compagnie des semblables, ou plutôt de ceux qui se refusent à accepter cette partie d'eux-mêmes, violemment rejetée. Elle est où la TS ? Quand la psychologue est très, mais alors très fatiguée. Quand elle travaille à écouter. Quand les patients annulent, mais que leur cigarette arrive toujours à l'heure, sans jamais trouver le feu, ni l'argent du feu. Quand ils se taisent, mais fument à fond. Quand on entend résonner l'inquiétude sous la voûte. Quand elles émettent le désir de n'avoir pas l'air d'autre chose, de ne faire ni plus ni sans, juste ce trois fois rien. Quand la psychologue demeure impassible, moins sécuritaire, donc plus sécurisante, et qu'elle tolère la fidélité aux écarts. Quand l'absence de halte s'obstine. Une psychologue qui travaille auprès de personnes atteintes de troubles mentaux doit-elle être poète ? Et inversement, quand ce texte tourne autour d'un trou qu'il cherche à apprivoiser, à réduire, lui conférant au moins des bords, éclairant l'humanité qui s'y embusque, quand il cherche à lever le drame. Une poète doit-elle avoir des relations douloureuses avec le monde ? Et une psychologue ? Quand je n'arrive à en finir avec aucune question. Une psychologue doit-elle avoir des relations amoureuses avec le monde ? Et une poète ? Quand je ne peux rien prétendre car je n'ai rien appris, rien vu de savant dans ma geôle depuis le promontoire, quand j'affine ma seule fonction, l'invention. Quel type de relation une personne atteinte de troubles mentaux entretient-elle avec le monde ? Quand certains troubles mentaux sont une opportunité pour le commerce, mais d'autres non, et quand on apprend que de toute façon, les troubles mentaux vont disparaître pour laisser place aux troubles du neurodéveloppement, ce qui coûtera beaucoup moins cher. Quand je passe plus de temps à rédiger des comptes rendus qu'à écouter ceux qui ont besoin d'être entendus. Quand épinglage psychiatrique, prêt à soigner psychotropique, gestion normalisante, singularité exclue, émancipation entravée, rationalisation managériale, réforme dévastatrice, le devoir de conformité s'abat, rapace tranchant l'espace, navette spéciale d'émotions éperdues à vide en orbite, ovni, objet de valeur non identifié qui tourne à vide, pire qu'un épervier. Quand Amazon, Doctolib, Airbnb, Facebook, Uber, Parcoursup, Netflix, Tinder sont rejoints par les plateformes POP, plateformes d'orientation psychiatrique. Quand la musique est bonne,
quand ça pourrait presque faire rire s'il n'y avait déjà pas mal de futurs pop usagers impopulaires fichés dans leur danse en maison d'arrêt ou sans chaussures sur la chaussée ou forcés de se primo-évader à l'EHPAD. Quand nivellement, abrasion, formatage, quand non-rencontre organisée. Quand ils ont pourtant écrit psychiatrie. La pathologie, ce n'est pas ton symptôme, c'est ta souffrance. Quand ils s'épuisent, quand elles s'énervent, tout comme leur famille. Chaque jour, les administratifs de la psychiatrie reçoivent des plaintes, explosion du nombre des contentions, allongement des listes d'attente, démission des soignants, ce qui contribue à noircir davantage le tableau. Quand je suis éperdue et que je ne suis pas la seule, quand c'est en tant que poète que me reste la possibilité de faire ce que devraient pouvoir faire les soignants. Éperdue, grand 1, participe passé de éperdre, grand 2, emploi adjectif, grand A, en parlant d'un être vivant, désemparé, profondément troublé par une vive émotion, parfois tout à coup, sans raison, prise de terreur, ces femmes s'enfuyaient, éperdues. France, la vie en fleurs, 1922, page 555, grand B, en parlant d'un sentiment violent et de tout ce qui peut traduire ce sentiment, un désir éperdu, des yeux éperdus, il pleure avec des yeux éperdus. Giono, regain, 1930, page 160, grand C, fou, sans ordre, irrationnel ou irraisonné, la floraison éperdue des arbustes de la Loti, l'Inde sans les Anglais, 1903, page 105, remarque, on rencontre dans la documentation petit a la substantivation de l'animé, les éperdus de tristesse, les éperdus de joie. C.F. Blois, le désespéré, 1886, page 109, petit b, la substantivation neutre, dans l'éperdu de votre abandon. Courteline, la conversation d'Alceste, la voiture versée, 1898, Crantin, page 125, prononciation et orthographe, éperdu, Anc, éperdu, DS, Ac, 1694, 1932, Frec, Abst, Litter, 1412, Frec, Relat, Litter, Xix, Petit A, 1136, Petit B, 2349, 20e siècle, Petit A, 4141, Petit B, 1284, quand je suis une éperdue responsable, une folle qui a la chance de n'être pas soumise à tutelle, qui est libre de son temps, de son corps, de son sommeil, de rester chez elle, de gérer son portefeuille, de choisir ce qu'elle mange, de voter. 23 mars 2019, par principe, une personne vulnérable bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire, tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale, garde ses droits civiques, exemple droit de vote, permis de chasse, et ses droits civils, exemple mariage, déclaration de naissance, quand, dans un texte officiel, on place sur le même plan droit de vote et permis de chasse. Quand la folie, franchement, est surtout là d'où elle est, regardez. À l'heure où personne ne peut plus rien encadrer ni se voir en peinture sur cette toile infinie à l'huile de jute et de dévastation, le poète est-il plus utile qu'une personne atteinte de troubles mentaux étiquetés ? Quand l'inutile poésie rend l'inutile maladie non pas compréhensible mais lisible. La folie est poétique au sens de la singularité radicale dans le travail de la langue par lequel un fou cherche à se faire entendre. Si la pratique de la poésie, l'exploration de la langue n'est pas un contre-pouvoir immédiatement efficace dans l'institution, elle peut néanmoins, sur un mode antitechnocratique, servir à témoigner autrement de beaucoup de choses, dont la pathologie. Écrire de la poésie pour garder l'asile à distance, somnambule hors borne, t'attends la différence entre ce remugle de ténèbres et ce remugle de ténèbres. Quand je reste folle, à cause de qui, à part les autres ? La personne atteinte de troubles mentaux est-elle inutile ? Quand eux, elles, se dissolvent entre angoisse et ivresse, imitant l'ennui ou la timidité, et que les autres les flairent depuis l'enfance, une odeur toxique, un insecticide ? Quand elles, eux, piétinent, s'agitent, immobilité algique, pitoyable. Quand la différence se répète sans parvenir à s'imposer. Quand elle en revient au même, son intensité, ses efforts rapiécés, son rapport de force. Je murmure, je suis sœur, je rassure, les taux moins serrés dans les gorges. Quand je m'obstine. Quand nous n'intégrons rien et que nul ne nous intègre. L'œil à l'état sauvage, ils et elles, et moi avec. Partons en quête d'un soi non colonisable. Le poème est le nom de la folie dans le langage. Quand ces minuscules icebergs résistent à la fonte et surnagent jusqu'à former, à travers leur constellation, un paysage, la représentation d'un lieu étranger et étrange, mais accueillant.
Quand? Du blanc. Quelque chose émerge. Merci. Je veux juste remercier Arnaud et Iris. Olivier Chaudançon pour son accueil et toute l'équipe de la Maison de la Poésie. Et aussi, je voudrais remercier Catherine Tourné-Lanskin, mon éditrice.